heureux des uns et des autres. Bon, je ne sais même pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave, on va le dire quand même. Donc, les deux actualités, le premier est Chrono Cross, The Radical Dreamer Edition. Chrono Cross de base, c'est un jeu sorti à plus de 23 ans. Seulement au Japon, aux USA. Prévu là sur PS4, Switch et Xbox One. Et PC, Steam. La deuxième actualité est celle que tout le monde attendait depuis longtemps. Bien évidemment, c'est Xenoblade Chronicles 3. Alors celui-là, tout le monde l'attendait. Moi, c'est un des jeux avec Dragon Quest à l'époque qui m'a fait prendre une Nintendo Switch. Mais voilà, on va en reparler tout au détail tout au long de cette vidéo. Alors cette vidéo, elle va être un peu courte, je suis désolé. Je fais cette vidéo juste pour montrer les deux news qui sont pour moi très importantes. Alors la première, comme j'ai dit, Chrono Cross, The Radical Dreamer. Alors Chrono Cross, c'est quoi? C'est un jeu sorti il y a plus de 23 ans de ça, sur PlayStation 1. Il est sorti au Japon et aux USA. Et bien sûr, pas en France. Comme d'hab, ça, à l'époque, c'était fréquent que les meilleurs RPG ne sortaient pas. Bon, on a eu quelques-uns qui n'étaient pas sortis, comme Chrono Cross, Xenogears, Valkyrie Profile et autres à l'époque. Bon, en tout cas, Chrono Cross, c'est un jeu qui a marqué l'histoire, c'est une légende. Aujourd'hui, Square Enix nous ressort, mais pas à la sauce qu'on souhaiterait tous, peut-être, je pense. Voilà, on va regarder cette vidéo et on va revenir dessus. A tout de suite, bonne vidéo. Bonjour à tous. Alors, vous avez vu la vidéo comme moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a de différence par rapport à l'ancien? Bon, ceux qui ont connu Chrono Cross à l'époque comprendront que là, c'est juste un petit lifting, une petite touche de pinceau au goût du jour. Bon, ils se sont vraiment pas foulés et là, ils nous ont pondu un jeu Chrono Cross, une réédition. Alors moi, tout ce qui est remaster et tout, de base, j'ai pas vraiment d'inconvénient. Là où ça pose un peu plus un problème, c'est quand on ressort un jeu comme ça, état brut, on te le restyle vite fait, histoire de dire on a fait un truc, et voilà, on te le ponte là. C'est tout bénef, et ça, bon, je suis pas trop fan, j'aurais bien voulu qu'il ressorte, mais avec les graphismes d'aujourd'hui. Bon, c'est pas le cas. Après, la bonne nouvelle, enfin, la bonne nouvelle et la mauvaise en même temps, bon, on va commencer peut-être par la mauvaise, c'est que le jeu sort uniquement dématérialisé. Alors ça, pour ceux qui aiment bien les boîtes comme moi et d'autres personnes, c'est un peu dommage, mais voilà quoi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il sort en Europe. La seconde bonne nouvelle, c'est qu'il sort en avril. Maintenant, petit point d'interrogation, est-ce qu'il s'est traduit? Eh bien, je pense pas. Ça m'étonne qu'il soit traduit. Mais c'est pas grave. Pour ceux qui ont la version PlayStation 1 ou autre, ou ceux qui souhaitent le faire en français, vous avez la possibilité de le faire en français via une page de fan traduction qu'il avait faite à l'époque, des fan trads qui l'ont faite à l'époque, qui l'ont traduit en français, très très bien traduit d'ailleurs. C'est comme ça que je me suis redécouvert après avoir fini en version américaine, 100% anglais, auquel je comprenais rien du tout. Je m'étais attaqué à la version française, traduit par des fans et j'y ai pris plaisir. Donc voilà, ouais, bon, le jeu sort en avril, des petites nouveautés comme des musiques et autres,
un petit lifting. Il y aura possibilité de jouer la version originale ou la version lifting, enfin un petit peu en fait. Bon, après à voir, mais je pense que s'il sort dématérialisé, je sais pas encore si je vais le prendre, probablement, à mon avis, ouais. Maintenant, si plus tard il sort en version physique, oui, ça c'est sûr que je prendrai. Bon, à voir en tout cas. Alors, seconde actualité, Xenoblade Chronicles 3. Ça fait plus de 4 ans que le 2 est sorti. Il y en a qui sont impatients de découvrir le 3, moi de même. Donc, on va voir cette petite vidéo et on revient tout de suite ensemble. À tout de suite. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try. Try to move forwards again. How can our lives be so snuff and little, do you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword March. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you shoulder it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go! Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Bon, retour sur cette petite vidéo. Alors, comment vous la trouvez? Bien, pas bien? Moi, je la trouve vraiment pas mal. C'est vrai qu'on n'apprend pas un peu trop, on n'apprend pas du tout sur les combats, donc on voit quelques passages de jeu, on voit quelques anciens alcoolites qu'on avait découverts à l'époque. Mais là, quand même, franchement, moi, je m'attendais pas à ce que le jeu soit annoncé de si tôt. Je m'attendais à ce qu'il sorte beaucoup plus longtemps après le précédent épisode. Maintenant, là, il sort 4 ans et demi après. C'est quand même une grosse surprise. On voit qu'il sort en septembre 2022. Le jeu, il est quand même. Les précédents épisodes étaient vraiment pas mal. Celui-ci, je pense qu'il va vraiment plaire à pas mal de fans. Moi, j'attends de pied ferme. Les musiques ont l'air d'être pas mal, ont l'air d'être bien. Maintenant, c'est vrai que la vidéo, elle nous laisse un peu sur la fin, mais bon, c'est fait exprès. Hein. C'est probablement pour nous faire découvrir au compte-gouttes chaque perle du jeu. Mais à mon avis, celui-là, il va vraiment faire fureur. Vivement en septembre 2022, c'est peut-être d'ailleurs ce jeu-là qui va me faire prendre la Switch OLED. Bon, on verra d'ici là. En tout cas, voilà quoi. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, si vous avez des choses à dire ou autre, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos.